Bon, on est reparti pour une nouvelle journée dans la maison. Il fait assez froid. On est tous bien couverts. Bah là, on va terminer la bâche. Du coup, terminer de bien installer la bâche, surtout au ce mur-là. Les clous, ça passait pas et le scotch, ça ne tient rien. Parce qu'on a terminé hier soir, bon, c'était un peu galère. Voilà, on va essayer de terminer d'installer le côté là de la bâche. Et du coup, après, ce sera bon. Il faudra juste s'occuper du coffrage, bien terminer, etc. Et là-bas, du coup, ils sont en train de commencer à mettre les montants, des rails au plafond. Enfin, on continue la pièce du placo. C'est parti. Jamais enfoncer la première vis à fond. Pour quelle raison? Pour avoir du jeu au cas où que tu n'es pas sur le même endroit de l'autre et de là. Et pour ne pas te voir. Alors maintenant, dis-moi si ça bouge. Là, je pense là, pas que tu peux faire un coup d'aiguille de temps. Hein, tu me sais. Petite réaction à chaud. C'est plus. Qu'est-ce qu'il faut? Pousse! Ouais, du coup, bah voilà, on vient de terminer le coffrage, la fixation du coffrage. Montre que ça bouge pas. Et là, bah, ça bouge vraiment pas, quoi. Mais genre pas tant que ça. Genre, je pense que ça, là, on l'a bien fait de l'installer, parce que lui, il bouge, mais vraiment pas, quoi. Non. Mais ça, c'est surtout pour ce mur. Ouais, bah ce mur-là, il est... Parce que là, il y a les briques. Ouais, les briques, c'est de la merde, quoi. C'est 10 mm d'épaisseur. Ouais, t'auras des petites surprises sur ta vidéo. Ah bon? Qu'est-ce que t'as fait? T'inquiète. J'ai hâte de voir ça. Bon, là, on va mettre la bâche là derrière pour que le béton puisse passer derrière. Ça va être un travail de minutie. Ouais, bah ça va être un travail pour... Ok, bon. Ça va être un travail pour moi. T'es chaud? Je suis chaud. Eh ben, impeccable. Je savais que ce travail était fait pour toi. Ouais, ça t'arrange. Non, en fait, je peux le faire. Tu prends avec moi, parce que de toute façon, moi, je trouve qu'on m'exploite beaucoup dans cette maison. Alors, il me dit, va chercher la caméra, fais donc ci, fais donc ça. Bon, au bout d'un moment, ça commence à me... Mais bon, c'est pour vous, donc... Heureusement qu'on n'entend pas. Là, du coup, on va aller voir ce qu'ils font au niveau du placo. Parce qu'ils ont pas mal avancé quand même, mine de rien. Bah du oui. Regardez ça là, comment ils ont avancé de ouf. Ils ont mis plus longtemps là. Et ils vont nous expliquer comment ça fonctionne, parce que moi, personne, je sais pas comment ça fonctionne. Du coup, bah on va prendre ça ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ça, tu fais un bon coup. Bah du coup, tu commences à poser tes deux rails quand tu les as déjà repérés, un plafond, un au sol. Ensuite, tu prends ce qu'ils appellent des fourrures pour les mettre tous les 60 cm à 90 degrés. C'est ça, et voilà. Là, tu prends un niveau pour vérifier que tout soit bien, parce qu'il y a à la maison, là. Voilà, et là, les fourrures du coup des extrémités, on les a bien fixées au mur avec des chevilles, etc. Puis après, on va aller voir tout cas le de verre et les tractures. Et la petite astuce aussi, c'est d'avoir une pince à sortir qui est là. Qui permet vraiment de. En fait, quand tu mets tes fourrures, donc les machins à 90 degrés dans le rail, ça reste un alliage assez malléable. Toi, tu viens le pincer, et en fait, ça, vraiment, ça enfonce le premier alliage dans le deuxième et ça bouge plus. Ça permet de les fixer ensemble. Voilà, Nico, c'est bon, j'en ai. Donc voilà, comme ça, du coup, on va continuer à installer les montants. Bam, bam, bam. Thank you.
ça c'est la passe à Certia. Et en gros, ça va venir souder la partie là du rail avec le montant. Hop, donc là elle est rentrée à fond. Et puis du coup, ça vient vraiment poinçonner ici. Et du coup, ça fixe les deux ensemble. Voilà, et du coup, bah, faut faire ça partout, en bas et en haut. Comme ça, bah, tous les rails sont fixés avec les montants. Donc là, c'est la petite galère de la purge du radiateur qu'on essaye d'enlever et qui fuit. Donc ça en fout partout. C'est l'inondation. Ah, le G, le bâtard. Il y a un petit... La couleur de l'eau. Ouais, ben non, mais... ça donne pas envie. On a viré le radiateur, là, c'est une vraie galère, il a commencé à fuir. Du noir comme ça, il y avait 7 dents. Oh. Et on l'a mis là pour l'instant. Parce qu'on va mettre, on va le mettre sur une bâche avec la baignoire et le chauffe-eau. Un radiateur, une baignoire, un chauffe-eau. On a fixé le coffrage, donc impeccable, ça bouge plus. Donc plus qu'à mettre de la bâche derrière. On a également collé ici un tuyau pour pouvoir ensuite raccorder au lavabo. Pareil pour le tuyau des toilettes. Du coup là la salle est prête, on l'a scotché partout. Il manque plus qu'à recevoir le béton et j'espère que je vais pouvoir faire ça cette semaine. Mais voilà, il y a quelques petits ajustements encore à faire, mais sinon elle est prête à recevoir le béton. Bon, on vient de faire une petite pause coupe du monde. La France vient de gagner, donc c'est impeccable. Et là, bah, on est reparti. Comme en 40. Comme en 40. On est reparti bah, pour continuer à poser les rails de ce côté-là du mur. Voilà.